En un temps agréé, je t'ai répondu, et au jour du salut je t'ai secouru, et je te garderai. Dans ce passage d'Ésaïe chapitre 49 verset 8, Dieu s'adresse à son peuple à travers le prophète Ésaïe. Il nous rappelle qu'il est notre soutien et notre protecteur, nous offrant aide et réconfort dans les moments difficiles de nos vies. Lorsque Dieu dit, en un temps agréé, « Je t'ai répondu », il nous montre sa souveraineté et sa sagesse. Dieu a un plan parfait pour nous et il répond à nos prières en fonction de ce plan, au moment qui lui semble le plus opportun. Le « jour du salut » évoqué ici se réfère au moment où Dieu agit pour nous sauver et nous délivrer. Dans un contexte plus large, cela peut aussi être interprété comme une référence à la venue de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. En se sacrifiant sur la croix pour nos péchés, Jésus nous a offert le salut et la réconciliation avec Dieu. Enfin, lorsque Dieu dit « Je te garderai », il nous assure de sa présence constante et de sa protection. Dieu est comme un berger qui veille sur son troupeau, nous guidant et nous préservant des dangers. Comment pouvons-nous être certains que Dieu entend nos prières et agit en notre faveur? Nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il est fidèle et tient toujours ses promesses. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont fait appel à Dieu dans les moments difficiles et ont reçu sa réponse et son aide. En plus, Jésus lui-même nous a enseigné à prier et à présenter nos demandes à Dieu avec foi, Matthieu chapitre 21 verset 22. Comment pouvons-nous expérimenter la présence et la protection de Dieu dans notre vie quotidienne? Pour expérimenter la présence et la protection de Dieu, nous devons entretenir une relation personnelle avec lui. Cela implique de passer du temps dans la prière, la méditation de sa parole et l'écoute de sa voix. De plus, il est important de se soumettre à sa volonté et de lui obéir, car cela nous permet de marcher dans ses voies et de bénéficier de sa protection. Psaume chapitre 91, versets 1 à 2.